Bonjour Louise. Bonjour Michel. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bonne année 2017. Oui, bonne année 2017. 2017, année de la raclette. Raclette ? Non. Ouais, non, c'est trop là. Tartiflette. Oula. Ouais. Calmos. Paupiette ? Pareil. Rillette ? Non. Non ? 2017, année de la... Chouquette. Chouquette, chouquette. Année de la année chouquette. De la chouquette, oui. 2017. Bon, alors, c'est pas tout ça, mais... Ouais. Bienvenue sur Télécanette. La seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Biquettes. Alors, ce programme 2017, il en jette ? Il est même super chouette. On va avoir du ciné des habitants par palette. Ouais, des Wonder Crudy par brouette. Des goûters en brochette. Et même des cafés par pleine cassolette. Tellement. Et aussi, dans l'équipe, une nouvelle tête. Salut. Salut. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Camille. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, Camille ? Eh bien, je suis toute nouvelle depuis une semaine. Je viens d'arriver. Je vais m'occuper notamment des documents pour la jeunesse, des animations pour la jeunesse, des partenariats, de pas mal d'animations en général, des services numériques, voilà, de plein de choses que aussi par rapport au blog et aux liseuses et voilà, voilà. Cool. Bon, maintenant, on veut plus en savoir sur toi, et donc je vais te poser plein de questions. D'accord. Est-ce que tu es plutôt Lego ou Playmobil ? Playmobil. Rouge ou bleu ? Rouge. En intérieur ou en extérieur ? En extérieur. Piscine ou jardin ? Jardin. À la plage ou à la montagne ? À la plage. À carreaux ou à rayures ? À rayures. Jupe ou pantalon ? Pantalon. Moustache ? Moustache ou perruque ? Perruque. Est-ce que tu préfères Rémi ou Quentin ? Ah, c'est horrible comme question. C'était ça ta chute. Bon, on te retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Louise et Michel. Oui, et tout bien, à fait. À bientôt Camille. À bientôt. Bon, pour la perruque et la moustache, tu crois qu'elle est prête ? Ouais, je crois qu'elle sera parfaite. Enfin, au moins autant que si elle fait des claquettes. Et sinon, samedi 7, on aura un nouveau rendez-vous qui s'appellera Jardinette. Jardinette, ouais. Jardinette. Où on parlera, c'est un nouveau projet pour jardiner ensemble régulièrement. Ce on serait parlera... pas une grénothèquette ? Tu es un poète. Ouais. Bref, on parlera ciboulette, binette, sarriette, on comptera fleurette. Ouais. Venez voilà. Nombreux, ce sera chouette. Alors, moi, mon coup de cœur cette année, ça va être cette bande dessinée qui s'appelle Azola, de Karine Bernadou, qui a déjà écrit une autre bande dessinée qui s'appelle Canopée. Le dessin est vraiment très beau, par contre, c'est une bande dessinée pour adultes, avec pas mal de scènes de sexe, donc je vais pas trop vous montrer toutes ces images-là, malheureusement. Mais je vous montre quand même cette image-là, par exemple, qui est super belle. C'est un peu entre la fable, les contes de fées, c'est assez violent et plutôt désespéré et même sauvage. Mais comme il y a des scènes de sexe, ça rattrape un peu cette atmosphère féroce. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré, c'est complètement muet. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc il n'y a pas du tout de bulle. Je ne vous montre pas plus. Et je voulais aussi vous parler de ça parce que souvent, j'entends encore, en presque 2017, que les femmes ne savent pas dessiner et qu'il y a très peu de femmes qui savent dessiner en bande dessinée. Donc, je vous montre aussi ce petit dessin d'une auteure qui s'appelle Liv Strömquist, qui est suédoise et qui a écrit beaucoup de choses sur le sujet et sur les femmes dans la bande dessinée. Voilà.
Et l'autre temps fort de ce mois de janvier, ce sera le samedi 21, une soirée spéciale manette. Mm-hmm. On ressortira nos disquettes. Et on pourra jouer avec nos molettes. Et en fait, on arrête. On arrête. Les rimes en « et », c'est... Voilà. C'est trop horrible. Donc on arrête tout de suite. Mais c'était marrant quand même. Voilà. Vous retrouvez tout ce qu'on vous a raconté, plus ou moins. Vous le retrouvez en vrai. Dans la description. Voilà. Dans vidéo, les liens dessous, dans la newsletter. Dans la newsletter qu'on vous a envoyée. Sur le Tumblr, Louise et Michel. Et on vous retrouve voilà. Au prochain numéro. Exactement. En attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que... Je me dis en regardant mon nom, dans un bac. Je me dis que le soleil se sert de moi comme obstacle. Et observer le contraste de mon corps reflet inversé. Ça, c'est mon mot, qu'il y a une bonne moitié de moi qui est éclairé. C'est sûr, c'est l'été, il y a une chose qui est claire. C'est que tu vois ton nom bien plus souvent qu'en hiver. Sauf downtown. Le monde sont bien trop en amour avec leur tour. Alors, les filles, c'était bien votre réveillon? Ouais. Ouais. Ouais, ça va. Ça va. C'était cool. Et vous pouvez juste parler moins fort. Mais t'as mal aux cheveux? Non, non. Et sinon, le spectacle de claquettes, sympa, non? Ouais, ça c'était cool, ouais. Mais c'était pas Julien? Ah, maintenant que tu le dis. Je sens bien avoir reconnu Julien. La personne était plutôt grande, ouais. Ouais. Ouais, le bleu, c'est sa couleur. Ouais, ce petit collant bleu, là. C'est... Hein? Mais va bien, ouais. Ouais, je pense que c'est Julien, ouais. Ouais, on connaît pas.